pureté. Non. Si. La thèse de pureté? Genre tu le fais, après moi c'est moi qui le fais. Mais on fait ensemble. Ouais mais vraiment on dit que la vérité. Non non, ce que tu sais c'est Jacques Asso. Comment tu trouves ça? Bon tu tapes sur internet, tu trouves vite fait hein. Comment on fait pour avoir un test de pureté mec, ça marche pas? Si si, fais là. Vas-y, tape. Mais rien, tu vois. Fais autoriser les cookies. Voilà. Hein? Vas-y normal, ouais justement, fais retour, fais normal. Malheur de quelqu'un, bah oui. Vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée. Non, c'est toujours prévenu à l'avance. Combien de fois avez-vous déjà a été arrêté? Bon, zéro fois. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Oui. Est-ce que avez-vous déjà été ivre? Est-ce qu'on peut compter que j'étais ivre? Ivre, ça veut dire bourré. Ouais. Ah, rapate net, comment il était ivre, le bonhomme. Zou, la personne. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? 48 heures. Et lundi. Non, c'était moins de 20, moins de 40. Non, non, moins, moins. Non. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez ivre? Trop ivre. Vidéo, t'es comme ça, t'es ivre sur une table. Ah ben, je suis tombé dans l'herbe. Ah bah oui, bah c'est bon. Oui. Avez-vous déjà... Vous êtes déjà... Non, non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Non. Je garde toujours ce qui est à l'intérieur de moi. Avez-vous déjà vomi sur vous ou quelqu'un d'autre? Non. Attends, t'as jamais vomi? Pas sur vous. T'as jamais vomi? Mais si, mais pas à boire... Ah, pas à boire. Pas glouglou sale. Quelqu'un d'autre, oui. Et vous avez déjà vous fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de... Non. Bon, t'as dit qu'une fois, quoi. Bah, peut-être pas le bar. Barathon, tu l'as fait? Hein? Barathon, t'as fait un barathon déjà? Non. Bah non. Avez-vous déjà participé à un barathon? Ah non. Ah, j'avais pas compris ce que tu... Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Genre vraiment, t'as tes céréales et à ta gauche, t'as ta petite binouze. Non. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Oui. Hein? Bah oui. Au moins 3 fois par semaine. Bah bon, les 2 semaines qui étaient 2 3 bah oui, des fois. Oui. Ah oui. Ça arrive tous les week-ends. Oui. Nombre de jours au plus de 3 jours réguliers. Des 3 jours réguliers. En gros, t'as 3 jours minimum plus combien de jours régulièrement? Est-ce que tu bois par exemple là, ça veut dire que tu bois 3 par 3 jours minimum dans la semaine. Et là en gros, c'est les jours en plus. En mode est-ce que tu bois là 3, 4, 5, 6 ou 7? On met un jour en plus. Hein. Un jour en plus. Avez-vous déjà vomi dans les toilettes? Oui. Mais parce que... Avez-vous vu... Vous... Même été volontaire pour dormir à cet... Hein? Avez-vous été volontaire pour dormir à cet endroit? Est-ce que... Avez-vous même été volontaire? En gros, est-ce que t'as dit « je veux dormir dans ces toilettes » ou alors tu t'es rendormi parce que t'étais mort? Ah non, j'ai dormi parce que j'étais mort. Ok. Donc non. Vous êtes déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une... Non. Avez-vous déjà avalé votre... Oh non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Non. Je crois pas. Si. De quoi? Si, si, si. C'est quoi? Dans un parking. C'est un lieu public. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cette... Oui. On boit là. On boit là. Avez-vous déjà essayé la drogue? Oui. Indiquez le nombre de drogues essayées. Alors t'as la cannabis, t'as la... Non, bah une fois, une quoi. Non mais nombre de drogues essayées. Bah une. Tu mets une alors. Pas logique. Avez-vous déjà été défoncé plus de 48 heures? Non. Ouais, pas plus de 48 heures, non. Consommez-vous des drogues régulièrement? Ah, non. Avez-vous déjà acheté la drogue? Non. Avez-vous déjà vendu la... Non. Avez-vous déjà été en bad trip? En bad trip. Bad trip. Bad trip. With an English accent. Non. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non. Je crois pas. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il ou elle était drogué? Hey. Non. Oh, ah. Qui? Ah. Tu te fous de ma gueule? Qui? Honnête, honnête. On est honnête, Nadi. Et je suis honnête? Reviens en arrière, reviens en arrière. On peut revenir en arrière, comment on fait? Là. Là, là? Oui. Ah, voilà. Putain, merde. Ah, là, c'est bon. Oh non, putain, c'est le début. Bah voilà, je t'avais dit. Et là, tu me mets oui, mec. Pourquoi? Voilà, mec. J'ai profité qui? Je sais, mais toi, y'a qui de là sur le live? Je sais pas. Y'a une personne, on s'en branle, vas-y, dis. J'ai pas envie de dire. Bah, dis-moi dans l'oreille. Je dis, go, ils vont entendre le micro.
Bah dis-moi, écris-le alors. Mais je m'en branle. Tu vas me dire qui c'est parce que moi j'ai moi pour moi j'ai jamais confié quelqu'un. Non, non, Oh c'est. là, Non. vide ma mère que si, vide ma mère que si. Non. Alors là, je peux demander à Non. qui le jeu, hein. Si, Non, si. j'ai pas essayé de Si, si. profiter d'elle. J'allais Bah. la baiser, j'allais l'éclater comme ça. Ah Non. non. J'allais faire ça? J'allais faire ça? Jamais, poteau. Mais. Non, tu m'as fait tu m'as refait et tu m'as fait refaire pour ça? T'es un menteur. Voilà. Elle est sur live là? Ouais, sur live, ouais, voilà. Attends, Méline, t'es là? Et là? Ah, mais non, en vrai, non. Non, mais Oh, arrête, vas-y, bah, mais non, t'es mais non. vraiment un Mais menteur, non, frérot. mais vas-y, en J'avais vrai. pas la soulever, Mais non, mais. frérot. Bah, c'est profiter, Non, genre. non, non. Comme ça, ouais. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser? Non, arrête, c'est bon. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un? Oui. Peloté, Peloté. peloté. Avez-vous déjà La embrassé ou pelleteuse. peloté quelqu'un jusqu'à... Oui. Avez-vous déjà eu des relations... Oui. Avez-vous déjà payé pour... Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non. Arrête de mentir. Avez-vous déjà été impliqué pour une... dans une fellation? Pourquoi t'écris toi? Non, t'inquiète. Non, j'écris, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais pour qu'est-ce que On est d'accord qu'il y a un cuny, c'est devant. quoi? Un cuny, c'est devant. C'est un anulingus. Ah oui, d'accord. Ouais, oui. Et tu m'aurais dit non, je... Ah, Jusqu'à ok, l'orgasme. Bon, je sais pas. Ça, je crois. Bah, il faut lui demander, mais je suis pas sûr. Avez-vous déjà eu un rapport à... attends, je l'appelle. Non. Avez-vous déjà fait un 69? Non. On va pas aussi loin. 69. Avez-vous déjà eu 69. une I infection sexuelle trans... Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour... sans utiliser de moyens de contraception? Non. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de deux personnes dans la même semaine? Ah, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Relation sexuelle. Je sais pas comment on peut dire ça. S'il y a pénétration ou pas. Pour moi, relation Ah, sexuelle, pour moi, c'est relation pénétration. sexuelle, il y a pénétration. Comment c'est sérieux? Là, Mec. des mecs, normalement, des mecs connus. Hey, tu y as eu salope. Arrête. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Non. C'est quoi des brûlures de tapis? Non. C'est genre. Attends, c'est comme. T'as mal au zizi? Non, c'est attends. Je crois que je me suis brûlé là, comme au basket. Tu sais, quand au basket, tu te frottes des fois par terre, c'est Ah, pareil. d'accord, non. Quand tu fais des brûlures comme ça. Avez-vous eu des rapports homosexuels? Contrairement à votre. Non. Ah, c'est bon, arrête. Vous avez déjà eu des expériences sodo? Sadomasochiste. Non. Pratiquer le bondage. Avez-vous déjà utilisé des. Non, ah, c'est bon, frérot. Vous avez déjà été endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Imagine, tu t'endors pendant que Non. tu ken, ça va être trop marrant, mec. Comme ça. Avez-vous déjà été responsable de la perte de virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de personnes? 5. Plus 5. Il 0. y a mon chien, ma soeur. Oh, dégueulasse, dégueulasse. 0. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Non. Même pour le délire, hein. Non? Non, j'ai jamais acheté. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non. Pourquoi tu rigoles? Regarde la question. Regarde la question. Pourquoi? Regarde la question. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? J'ai pas hésité. Bon, t'as resté longtemps. D'accord, si tu veux, j'ai hésité. Oui. Est-ce que la zoophilie, la nécro... Ouais, c'est bon. Nécrophilie, c'est avec les Vous morts. attire ou vous excite? Mais frérot, avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Non. Jamais d'un coup d'un Un soir. soir, c'est baiser un petit. C'est pas grave. Eh ben non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même... Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? À ton prix. Non, je crois pas. Avez-vous déjà des relations sexuelles avec un ou une amie de votre partenaire officiel? Non. Non. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre de sexe opposé? Bah oui, ma soeur.
Ah ouais, ça, ah, Ah, oui, ça compte. ou déjà lécher un œil. Ah! Ah. Ah, ça me dégoûte! Ah, ou déjà. Vous, vous êtes-vous déjà. Oui. T'as même pas dit le nom. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Eh, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Ouais, allô, du coup, par exemple, mardi, Masturbation. t'en regardes. Attends, masturbation mutuelle. C'est genre. Elle te branle, tu te branles. Bah non, elle te branle et Ouais, c'est ça. tu la branles. Avez-vous déjà participé à une douche dorée Golden dans shower. d'autres. Ah! En gros, tu pipis sur quelqu'un d'autre. Ah, Attends, ça attends, me. attends. Non. Mais attends, mais Golden, là, on parle sexuellement ou pas? De quoi tu parles? Là, le truc avant, on parle sexuellement ou pas? Mais non, t'es dans ta douche et tu. Je suis joué avec toi! Et tu urines dessus. Non, Golden shower, c'est. Bah, vas-y, on verra, enfin, ça Vous sera. avez déjà fait un rêve érotique, oui. Avez-vous Ouais. déjà été voyeur ou voyeuse? Ça veut dire, par exemple, tu vois, t'as des gens qui kennent et tu veux essayer de les voir pour qu'ils kennent. Oh non. Par exemple, tu sais, il y a ça d'ouverture de la porte, tu veux genre rentrer comme ça, à voir avec un œil Non, pour qu'il on fait ça, moi. Simuler l'orgasme. kenne. Tu penses, tu peux pas. Êtes-vous déjà. Si tu veux faire un. Tu Mais veux kiffer, mais en fait, non. chez les hommes, c'est quoi l'orgasme pour moi? L'orgasme, Chez c'est les quand tu femmes, fais. c'est quand ça. C'est Ça quand ça fait part. part. Eh bah, tu Êtes-vous peux pas déjà trouver. sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Oh, je sais pas. Oh bah tu dis oui hein, tu dis oui hein. Êtes-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours, dans la rue? Le tout dans les relances en préliminaire ou après. Avez-vous déjà. Ça fait rire. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Non, j'ai pas fait ça. En vrai, quand j'allais En pisser. public, mais en public, ça veut dire quoi? Non, en Oh vrai, non. en mode non, je sais pas Non. comment dire. Tu montes pas ta teub à tout le monde, voilà. Ouais, voilà, non, mode non. Alors, si tu pisses, c'est. Avez-vous Voilà. déjà été infidèle? Avez-vous Non! déjà eu des relations sexuelles avec l'un ou la partenaire? Ah, il est infidèle! Avez-vous déjà eu des relations Ah! sexuelles avec l'un ou la personne d'une de vos amies? Attends, t'as été infidèle quoi, toi? Longtemps. Attends. Attends, j'arrive pas à comprendre. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec l'un? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez jamais? Que vous regrettez maintenant? Non. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un accès? Non. Avez-vous déjà regardé la télé pendant. Ouais. Êtes-vous Putain, déjà. je trouve que t'es mis oui. Vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnes? Nage, des dessins animés. T'as compris? Ouais, mais non. Te dire en gros, tu te dis, est-ce que Mickey elle a une belle. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Oh, ça m'est arrivé plein de fois. Ah, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Bah, genre tout seul. Après, eux, ils parlent peut-être sexuellement, mais après, dans la question, c'est pas Ouais. précisé donc. Êtes-vous tatoué quelque part? Non. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non. C'est quoi une neuf caricatives? C'est quand Attends, je vais te voir. c'est une association. Ah bah moi oui du coup. Faut que je Possédez-vous prends ça après. une Bible, Coran? Non. Un livre Je religieux. crois pas. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Je crois pas. Êtes-vous déjà allé Non. dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui. Pour Noël. Allez, hein? Pour Noël. Ouais, Pâques. Non, ça. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Avez-vous effectué un des actes de Attention, sainteté c'est. exprès pour améliorer votre. Donc t'es. Vas-y. Plutôt pur. Oh. Vas-y, Vas-y, je suis un bon, moi. fais accept. T'en bats les couilles. Fais pas accept alors. Mais tu m'envoies où, frérot? Attends, la score peut aller de moins 40 à 5 à 503. La moyenne est de 103. La moyenne est de 103 est à Hygiène, 72. c'est dégueu, non? Hygiène, ça va 30. Morale 15. Positif. Alcool, Ah, pardon. tu Ouais, l'as. alcool, j'ai pris hier. Vas-y, remonte. Positive. Ouais, vous utilisez votre main droite ou gauche pour vous branler comme tout le monde. Un score dans la moyenne, rien. Vas-y, remonte. Remonte, j'ai envie de voir la moyenne. Attends, c'est quoi? La moyenne de 103. Et toi, t'as 62. Ah, t'es en dessous. T'es en dessous de la moyenne. C'est bien alors, non?
Réponse positive. Ouais, t'es en dessous de la moyenne. Ouais, t'es en dessous de la moyenne, ça veut dire. À toi maintenant?